Le thon thaï. Pour cette recette, vous aurez besoin de 4 pièces de thon d'environ 120 à 140 grammes, de la sauce soja sucrée, de l'huile de sésame toastée. Pour la vinaigrette, il vous faudra de l'huile d'olive, du sucre brun, un piment doux, du fond blanc de volaille, une échalote, de la coriandre et un oignon nouveau. Pour cette recette, la première étape est la plus importante. Il vous faut faire chauffer une poêle bien chaude, y placer le thon à plat, le laisser colorer une minute sur chaque face, puis, étape importante, le plonger dans l'eau froide. N'ayez pas peur, ça ne changera pas le goût. Nous venons de snacker le thon, le plonger dans l'eau froide. Nous allons maintenant procéder à l'étape où on va le sécher et le mettre à mariner dans un sac pour pouvoir être consommé demain. Donc, je prends un sac refermable. C'est juste qu'il y ait le moins d'air possible dedans. Je glisse les 4 morceaux de poisson. Et je vais venir y ajouter l'huile de sésame et la soja sauce. Pour réaliser la vinaigrette, il nous faudra du fond blanc de volaille, de l'huile d'olive, les piments rouges émincés, les oignons nouveaux émincés, de l'échalote, de la coriandre fraîche, du sucre brun. Et pour ceux qui voudraient ajouter un peu de peps à la recette, on peut aussi ajouter une petite julienne de gingembre. Nous allons donc mélanger les ingrédients de base, c'est-à-dire l'échalote avec la coriandre, les oignons-tiges, le piment rouge, deux belles pincées de sucre, l'huile d'olive, l'équivalent de deux belles cuillères à soupe, le gingembre que nous avons décidé de mettre, et on recouvre avec le fond blanc de volaille chaud pour bien infuser. Et on laisse comme ça, chaud ou froid à votre convenance. Voilà, le thon a mariné toute la nuit, nous l'avons sorti. Il est prêt à la découpe, nous allons le dresser sur assiette, l'agrémenter de la petite vinaigrette thaï. Et il n'y aura plus qu'à déguster. Donc on voit qu'il est pas cuit par la chaleur, mais le sel a cuit la chair. Il n'y a pas de risque alimentaire sur ce point. La petite vinaigrette, qui a aussi mariné comme le thon d'ailleurs, plus c'est fait à l'avance, plus ça infuse. Il n'y a plus qu'à déguster.